je m'appelle Laurence Monnoyer-Smith. Je suis professeure d'université à l'origine à l'Université de technologie de Compiègne et actuellement en poste au Centre national d'études spatiales, donc le CNES, comme directrice du développement durable. J'ai trois phases un peu importantes dans ma carrière et chacune de ces trois phases a été marquée par des rencontres et des travaux communs avec la FIND. En tant que professeure d'université, à l'époque où j'étais à Compiègne, je travaillais sur l'utilisation des nouvelles technologies, comme on les appelait à l'époque, nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais particulièrement d'Internet, dans les pratiques de débat public et de participation citoyenne. J'y ai consacré de nombreuses années à analyser la manière dont les débats publics évoluaient, en particulier avec l'utilisation de ces technologies. Dans ce cadre-là, j'ai rencontré la Fondation Internet Nouvelle Génération. C'était l'émergence des civic tech, c'était les premières interrogations sur comment est-ce qu'on atteint ces publics difficiles à joindre, difficiles à mobiliser dans les débats publics. Et puis, dans une deuxième partie de ma carrière, je suis rentrée dans le terrain, si je puis dire, comme vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Et là, j'ai mené deux types de travaux. La première, d'abord, j'ai organisé des débats publics, où j'ai essayé, alors dans ce cadre-là, de mettre en œuvre les préconisations que j'avais portées en tant que chercheur. Et puis, par ailleurs, entamer une réflexion sur comment est-ce qu'on peut mobiliser des données, des nouvelles données à destination des citoyens, comment est-ce qu'on pouvait les mettre à disposition des citoyens, des organisations, des associations, etc., dans le cadre du débat public, et j'ai fait évoluer un petit peu les plateformes de participation dans ce sens-là. Là encore, à ce moment-là, c'était le moment où la France prenait la présidence de l'Open Government Partnership, le moment où on réfléchissait sur qu'est-ce que c'était que l'appropriation des données, l'encapacitation grâce au développement de la donnée et à la française, dans une approche qui était sans doute un petit peu différente de ce qu'on voyait se développer aux États-Unis. Et là, on a travaillé, on a échangé beaucoup avec la FIND. C'était un moment un peu euphorique où les civic tech se déployaient. Et puis ensuite, en suivant ça, j'ai été nommée commissaire générale au développement durable et déléguée interministérielle au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à travailler avec la FING dans le cadre du projet Transition au carré. Et c'était un moment très, très intéressant puisque d'un côté, du côté des civic tech, il y avait une interrogation sur la manière dont on pouvait utiliser les outils numériques, alors qu'il s'agisse des algorithmes, des applications, etc., ou même des infrastructures numériques particulières pour aider à la transition écologique. Et de l'autre côté, côté ministère de la Transition écologique, il y avait une réflexion et une analyse sur quelle est l'empreinte croissante du secteur numérique sur l'environnement. Et ces deux tendances ne se croisaient pas, et c'était donc justement la question qui était portée par le programme Transition au carré. Donc, j'ai participé à ce programme, à quelques ateliers, etc. Et ça a donné lieu à un livre blanc qui a été présenté à l'époque au ministre, le secrétaire d'État Brune Poirson et à Monir Majoubi, qui était porté par la FIND. Il y avait Green IT, il y avait l'IGRI, VDF, qui participaient à cette réflexion. C'était important parce que ce travail que nous avons fait en commun a donné lieu, alors ça a mis un petit peu de temps, mais je sais que 1 ou 2 ans, 18 mois plus tard à peu près, à une vraie feuille de route du ministère de la Transition écologique pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et de l'autre côté, un début de prise de conscience, je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire, un début de prise de conscience de la manière dont le secteur du numérique, ou en tout cas toutes les applications, tous les secteurs dans toutes les entreprises, les secteurs qui s'attachent au développement du numérique, eh bien, prennent un petit peu conscience de la manière dont ils peuvent avoir une empreinte environnementale. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, ma vie a été
ma carrière de chercheur, maintenant aujourd'hui dans le secteur spatial, où on se pose beaucoup de questions justement, où le numérique a, la façon dont le numérique peut avoir à la fois être une solution à travers le big data, l'observation de la Terre, etc., mais aussi et source d'inquiétude à cause de son empreinte, on voit finalement ces deux préoccupations se rejoindre. Et ces problématiques sont largement portées par la fille. Donc pour ces raisons, voilà, ça me paraît extrêmement intéressant, après ce compagnonnage de long terme, de rentrer au conseil d'administration.